Malgré un pneu à plat, le véhicule en fuite continue sa course folle, poursuivi par une dizaine de véhicules de police. Franck et Fabrice n'ont rien pu faire pour l'arrêter. Ah, t'as vu la vitesse à laquelle il arrivait ? C'était même pas la peine. Là, Franck et Fabrice réussissent à rattraper le convoi, car le chauffard a fini par ralentir. Et pour cause, ses deux pneus avant sont maintenant éclatés. Après 45 minutes et près de 80 km de poursuite à tombeau ouvert en ville et sur l'autoroute, l'individu est finalement interpellé et maîtrisé par les équipes de la brigade anticriminalité.